Bonjour monsieur. Bonjour. S'il vous plaît, présentez-vous aux lecteurs et téléspectateurs de guinematin.com. Je suis Mori Keta, conseiller communal à Matoto, président de la commission communale de passation des marchés relative à la précollecte des déchets solides ménagers dans la commune de Matoto. Alors, monsieur Keta, un des conseillers communaux de la commune de Matoto, en l'occurrence monsieur Ousmane Ba, vous accuse dans une de ses sorties, dans une de ses interventions, d'être impliqué dans une affaire de corruption concernant la passation des marchés au niveau de la commune de Matoto. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu de ce que vous savez de cette affaire et comment réagissez-vous à ces déclarations? Merci. Au premier abord, je vais vous informer que le 18 mai 2022, sur décision de maire, une commission ad hoc a été instituée par décision du maire sur la passation de Marseille, où ma personne a été choisie comme président de la commission. Monsieur Nadia Mandiankonde, secrétaire général de la commune et vice-président. Monsieur Mori Diakité, directeur des micro-réalisations et rapporteur. Ba Ousmane, conseiller communal et membre. Moussa Sangaré, représentant de la société civile et membre. Et Monsieur Mamadou Minimono, chef service financier et membre. Donc, l'appel d'offres sur lequel cette commission a été installée devrait prendre, la date limite était le 8 juin 2022. Et bien avant la date limite, en ma qualité de président, j'ai fait venir les membres avec l'appui de partenaires techniques Enaben. Nous avons suivi une formation sur l'évaluation d'un dossier d'appel d'offres. Et quand la date butoir est arrivée, les membres de la commission ont installé un processus de réception des plis qui a été, dont les accusés de réception a été effectué par le rapporteur, M. Mori Diakité. Et après la réception, nous sommes allés dans la salle de délibération de l'état civil pour procéder à l'ouverture des plis. Ce jour, tous les membres étaient là. Ce nommé par Ousmane, qui vient de faire une allégation mensongère sur ma personne, était présent dans la salle et il sait avec quelle transparence, avec quelle impartialité, le dépouillement des appels d'offres a été effectué. Après le procès-verbal d'ouverture des dossiers, il revenait à la commission de passation communale de Marseille de procéder à l'évaluation des offres. 2 jours plus tard, on s'est retrouvés pour procéder à l'évaluation. Les membres de la commission étaient là, y compris par Ousmane. Dossier par dossier, nous avons procédé à l'évaluation. Et quand il était question d'attribuer des notes que les soumissionnaires devraient avoir par rapport aux différentes rubriques d'évaluation, chacun était libre de donner sa note suivant la compréhension et la quintessence de ceux qui étaient là. Quand il y avait plusieurs notes, on prenait la moyenne. Quand ce travail d'évaluation a pris fin, le rapporteur et le président avaient la charge d'élaborer le rapport d'attribution provisoire qu'ils devraient faire lire par les membres de la commission. Quand c'est validé, nous transmettons à qui le droit pour que le processus suive son cours normal. Nous avons travaillé après pour élaborer un rapport. Mais comprenez que les membres de la commission de passation, il y a des administrateurs qui sont en fonction à la mairie, c'est des fonctionnaires. Ils ont lu les procès-verbaux, c'est-à-dire le rapport provisoire d'attribution. Comme ils sont d'accord que ça a été fait conformément à la technique en la matière, et au travail qui a été fait par la commission, ils ont signé.
Les personnes qui sont externes à la commune, nous les conseillers, c'est quand il y a nécessité que nous venons, j'ai constaté que Ousmane ne venait pas ces jours-ci, j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé. Quand j'ai appelé Ousmane pour lui dire que le rapport est disponible et qu'il pouvait venir la signer, bien entendu, dire signer quelqu'un, tu le remets, il va lire. S'il a des remarques, des objections, ou il voit des choses qui ne sont pas irrégulières, il attire votre attention. Si cela nécessite qu'il refuse de signer, il va le dire et c'est objectif. À mon fort étonnement, Ousmane a dit que je vais venir demain. Mais j'ai une information. Je rappelle que les PMU ont payé chacune 5 millions pour l'obtention de ces marchés. Chose qui n'était pas à ma portée. J'ai dit, Ousmane, vous avez reçu de l'argent. Il a répliqué, il dit non. Il dit, ce n'est pas les membres de la commission qui ont reçu de l'argent. Mais plutôt, c'est le plus haut qui a reçu de l'argent. Je ne m'en revenais pas. Mais en ma qualité de président, dès que je suis venu le lendemain, j'ai appelé les autres membres de la commission, ils sont venus. On a partagé l'information ensemble. Le rapporteur qui se trouve, le directeur de micro-réalisation de la commune de Matoto, à la personne de Bourg Diakité, quand il a été informé, il a dit, Monsieur Keta, il y a une confusion, son information est une confusion. Par rapport à l'appel d'offres, il y avait une commission que les PME ou les GIE devraient présenter pendant la soumission. Ce sont les secs de 5 millions qui étaient dans les dossiers d'évaluation. C'est différent. Mais comme il y a certains conseillers qui ont un problème de niveau et de compréhension, il a dû assimiler ça à de la corruption. Et c'est les 5 millions qui doivent être présentés ou versés comme caution par les soumissionnaires, et qui sont confondus à une corruption dont ils vous accusent. Tout à fait. Et j'ai pris, dans le but d'asseoir votre religion, j'ai pris un dossier, je vous ai sorti, vous avez vu vous-même le chèque de caution. Et dans chaque dossier, il y a les chèques de 5 millions. Donc si vous n'êtes pas allé à l'école ou vous n'avez pas la capacité de comprendre les choses, la moindre des choses, c'est demander les gens qu'on vous éclaircisse là-dessus. Vous qualifiez ça de détournement, vous qualifiez ça de la corruption, ça, c'est une allégation mensongère que Ousmane a fait. Et quand j'ai vu qu'il ne venait pas, et la commission a un délai réglementaire par rapport à un processus de passation de marché, je lui ai dit, si vous ne venez pas, par paix au moins, je vais signer le rapport et l'envoyer. Parce que ce n'est pas une question d'humeur qu'on va faire que on va essayer de faire priver les PMU de leurs droits. Parce que si la commission ne dépose pas le rapport provisoire dans les délais requis auprès de l'autorité de régulation des marchés publics, de la Direction nationale du contrôle des marchés publics, ils peuvent annuler le processus et le reprendre à zéro. Ce qui va faire mal aux entreprises qui ont déjà perdu du temps et il y a un besoin d'assainissement sur le terrain. Donc par rapport à ça, je lui ai dit, s'il ne venait pas, comme c'est un rapport qui n'engage pas une personne, qui engage une commission, comme il n'est pas là, nous allons signer et arriver devant, on peut justifier pour dire que telle personne n'a pas signé parce qu'il n'avait pas la volonté de venir. À mon fort étonnement, je suis en train de lire sur le site de guinematin.com, je vois ces allégations et dans les commentaires, dans les vidéos, il dit que nous sommes plongés dans un processus. Vous venez de comprendre avec moi et les documents que j'ai sous la main, vous avez la décision du maire qui nous a institué comme commission, vous avez vu la fiche de dépouillement de la réception des offres. Vous avez ici le procès verbal de d'ouverture. Vous avez ici la liste des PMU qui ont soumissionné. Et voilà, aujourd'hui, le rapport est sous la main. C'est un rapport provisoire. S'il ne vient pas, c'est son droit, mais qu'il ne parte pas ailleurs tenir des propos mensongères, diffamatoires sur les gens. Et d'ailleurs, quand il a fait ça, moi, je suis d'une noblesse, je suis d'une grande famille modeste. J'ai un neveu qui a lu l'article, il me l'a envoyé et il m'a mis en demeure, tonton, de défendre son honneur. Au-delà du conseil communal,
je risquerais de porter plainte, je porterai plainte contre Ousmane auprès du tribunal pour asseoir la vérité. Parce qu'il ne faut pas accuser les gens parce que vous êtes haineux. Ça, j'appelle ça de la haine, j'appelle ça de l'incompétence. Donc, par rapport à sa déclaration, voilà ce que j'avais à dire à la même presse sur le même sujet. Dans la même réaction que le conseil communal, M. Ousmane Ba, a faite, M. le maire est accusé aussi d'un certain nombre de faits liés notamment à la construction d'un centre de santé et à la construction ici d'un restaurant et doublé d'une salle de sport. Alors là aussi, il y a quelques propos qui sont tenus et qui ne vous semblent pas, en tout cas, justifiés. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ces déclarations de M. Ousmane Ba, un des conseillers communaux de la commune de Matoto, et qui indexe M. le maire par rapport à un certain nombre de faits? Je vous remercie. Par rapport à ce sujet, je vous dis que j'ai aussi des éléments de réponse parce que je suis membre du conseil communal. Aujourd'hui, le conseil communal de Matoto se trouve sectionné en deux parties. Il y a un certain groupe de conseillers qui pensent que le maire est dans le détournement, le maire est dans la gestion opaque, le maire est ceci, le maire est cela. Et cela ne l'engage que. Mais par rapport à sa déclaration, tout le problème qui envers cette division dans le conseil. Alors, est-ce que vous pensez qu'ils ont la bonne source pour tenir ces propos? Et la bonne source d'information pour tenir ces propos. Justement, c'est à cela que j'en venais. Le vrai problème, c'est que au conseil communal, nous avons eu la chance d'avoir des camarades comme conseillers qui ne se sont pas appropriés des principes qui régissent le fonctionnement d'une mairie. Vous savez, la mairie est une entité administrative qui bénéficie d'une autonomie financière et d'une personnalité morale qui fonctionne sur la base d'un budget. Et qui parle de budget, c'est de la prévision. Quand nous avons été installés en 2019, 2020, dans notre budget, dans notre prévision, il était question de construire un centre de santé à la Sanéa et une école primaire publique à Dimbaya-Port. C'est de la prévision, c'est de la volonté chiffrée. Le budget, on dit que c'est la volonté chiffrée de la politique des dirigeants au niveau de la commune, des responsables locaux. Mais ces prévisions ne peuvent être réalisées si les recouvrements qui ont été mis dans le budget en termes de recettes ont été réellement mobilisés. Surtout que vous êtes autonome. Surtout que nous sommes étonnants. Mais vous conviendrez avec nous qu'en 2020, il y avait Covid. Donc le gouvernement, dans sa riposte contre la maladie, contre cette maladie, cette pandémie, avait demandé aux communes de ne pas intervenir auprès des citoyens dans les marchés, dans leurs activités. De ne pas prélever, quoi. Donc, de ne pas prélever. Des taxes. Donc, les prévisions qui ont été effectuées en termes de recettes ont été faussées. C'est ce qui a fait que certaines réalisations n'ont pas pu être effectuées. Par rapport au centre de santé, l'autorité communale s'était déplacée pour aller voir certaines unités industrielles. C'est dans ce cadre-là que GI a donné du ciment, 100 tonnes de ciment. Et ces 100 tonnes de ciment, et avec les moyens qui ont été mobilisés, le maire est allé mettre sur le site un forage pour permettre que le santé soit alimenté en eau. Et des briques ont été confectionnées pour faciliter le coût de réalisation. Et ces travaux de confection des briques ont été supervisés par ce conseil Ousmane Ba. Car je le vois dire à la radio, le maire nous a dit qu'il a reçu des ciments, qu'il nous a dit qu'il a fait des briques. Il est allé, c'est lui qui est allé certifier pour le maire sur le site, pour venir dire, monsieur le maire, le chef de quartier, avec les équipes que vous avez mises en place, j'ai trouvé le reste du stock du ciment qui est là, quantité de briques a été
vraiment confectionné, ça, il est venu l'attester à l'autorité communale. Si lui, il va à la radio pour dire que ah, le maire a prévu construire, le conseil communal lui a donné le quitus, il n'a pas pu faire, c'est de la mauvaise foi. L'école de Dimbaya, le chef de quartier qui souhaitait même que l'école soit... Je vais revenir un tout petit peu sur le centre de santé de... De l'Ansanaya. Oui. Et avec quoi on a fait les briques là? Les briques qui ont été frappées? Et la poire que... que GI a donné, la quantité de ciment que GI a donné, au lieu de stocker le ciment, et quand ça dure, quand ça prend du temps, c'est ça périssable. Va créer des problèmes, c'est périssable. Le maire a initié de confectionner des briques jusqu'à ce que les autres moyens arrivent et puis trouver qu'il y a des briques et que le chantier démarre. Et comme le centre de santé doit être construit à l'Ansanaya, il a fait appel au chef de quartier de l'Ansanaya. Ils ont mis un dispositif en place qui a abouti à la confection des briques. Et quand les briques ont été confectionnées, le maire s'est fait représenter par Ba Ousmane sur le site. Tu l'accuses, aller... Monsieur Ba Ousmane, tu l'accuses lui-même. Ce n'est pas une accusation. Non, non, c'est lui-même qui l'accuse. Monsieur Ba Ousmane même qui accuse, c'est lui-même qui est allé avec le protocole du maire pour aller voir l'effectivité de la confection des briques. Par mauvaise foi, dans sa déclaration, il a dit que le maire a reçu des ciments des mains de GI, mais qu'il ne sait pas ce qui a été fait. Il le sait. C'est mauvaise foi qui ne voulait pas l'amener à parler. Et en plus, l'autorité communale nous a dit qu'il a rencontré une difficulté. Là où on devrait construire le centre de santé, il y a un citoyen de Matoto qui a une partie qui l'appartenait. Mais ce monsieur Diallo, que je ne connais pas, que je respecte sa contribution à la commune, a dit que si la mairie a besoin de ça pour en faire centre de santé, qu'il cède. C'est en ce moment que nous avons demandé au maire un type de bonne foi comme ça, là. Il ne faut pas le laisser aller. Il faut voir si des portions de terre pourraient être trouvées dans la commune de Matoto pour ne serait-ce que lui reconnaître son bienfait. Et ça sera bien. Mais vous savez, l'investissement, ça ne se fait pas avec les moyens, ça se fait avec les moyens. Donc, à Dimbaya et l'école, le site que le chef de quartier de Dimbaya École a choisi, ce site même fait l'objet d'un contentieux, dont un citoyen a une grande de justice attestant que le domaine, c'est pour lui. C'est le quartier qui a donné le domaine et que il s'est trouvé finalement que le domaine appartenait à... C'est le quartier qui a rassuré l'autorité communale qu'à Dimbaya Port, il y a un site sur lequel on peut réaliser une école et que le site appartenait à la collectivité. Donc le maire même a envoyé des gens pour dégager. Mais quand ces travaux préliminaires de mise en place ont commencé, il y a un citoyen qui est venu avec une grande de jugement pour dire que le domaine l'appartenait. Donc, ça c'est... Et il a dit que le dossier est pendant devant la justice. Donc, vous voyez. Mais tout ça, le problème c'est quoi? Vous pouvez avoir de la volonté, vous pouvez avoir des initiatives, mais si vous n'avez pas les moyens, et ces moyens-là se font à travers les recettes, et 2020, en repli de Guinée, les services de recettes n'ont pas pu mobiliser parce qu'il y avait cette maladie qui empêchait les gens d'exercer leur activité comme ça se doit. Donc, troisième point, en face de la mairie, le chantier qui est en construction, c'est vrai, le maire, à travers une session où Ba Ousmane a participé, le maire est venu soumettre une proposition au conseil communal de lui donner quitus, qu'il a trouvé un partenaire qui veut prendre la place pour réaliser sa deuxième, en bail, un jardin communautaire, c'est-à-dire en bail, sur lequel il y aura un restaurant moderne, salle de gym. Et qu'à côté, le monsieur compte réaliser pour les personnes handicapées qui étaient à côté leur lieu d'activité et le commissariat urbain qui est à côté qui va le réaliser, qui ne rentre pas dans le coup. Et c'est à bail. Au bout du bail, ça va revenir à la collectivité.
Le conseil communal a trouvé ça salutaire. Nous avons donné quitus au maire. Comme la mairie n'a pas les moyens financiers de faire, on a trouvé un partenaire, on lui a donné le quitus. Le maire a mis, le monsieur, mais vous savez, dans les partenariats particuliers publics, c'est gagnant-gagnant. Le monsieur a vu que pour accélérer l'amortissement de son investissement, il faut associer à ses activités la construction de certaines boutiques pour nous permettre de mettre ça en location et récupérer son investissement. Chose que l'autorité communale a trouvé normale. Comme déjà, il a le quitus du conseil communal, il a accepté avec le monsieur. Ça ne dénature pas le projet dans sa ça conception. Ne change rien. Ça vient, ça, quelque chose qu'on a ajouté. C'est additif, quoi. Nous, on a dit au maire que c'est normal. Dans le cadre le conseil a validé, des business, a donné le plan d'activité est vu. Donc, nous sommes solidaires à ce qu'il est en train de faire. C'est le rôle de société qui a commencé et puis ça va monter à 1+. Le gars, il aura les restaurants à côté et les autres promesses ou réalisations que le monsieur a accepté de réaliser et offrir à la commune, c'est-à-dire commissariat urbain dans le cadre de la sécurité et la place des personnes handicapées dans le cadre de l'équité entre les composants de la société, vraiment ça nous amène et nous soutenons l'autorité communale sur la réalisation de ce projet. À ce niveau, il dit que ce qui a été promis, ce n'est pas ce qui est en train de se faire. Et lors d'une session, il y a un des doyens des conseils qui a dit, dis donc, nous sommes du monde des business, l'autorité communale, ce qu'il a fait, nous le soutenons, nous adhérons à cela. Ce qu'il nous a dit, attendez que le projet finit, qu'on n'a pas vu le commissariat, que le projet finit, qu'on n'a pas vu la place des handicapés, que le projet finit, qu'il n'y a pas de restaurant. Le restaurant ou salle de gym, que là, que tout ce qui est peut revenir à la salle, ne se retrouve pas mais dans si, la réalisation. Déjà, le chantier n'existait pas, mais après quelque temps, il y a le travail qui commence, on ne peut que se réjouir de ça, et ça va se placer dans des objets visibles qu'on va montrer pour le compte. Et après, ils ont dit que le maire gère seul. Mais c'est vrai. C'est pourquoi je dis que le fait que nos camarades ne s'approprient pas du code de collectivité qui régisse notre fonctionnement, le conseil intervient où ? Tu décides à travers tes sessions, à travers les commissions techniques à laquelle vous appartenez, vous apportez votre contribution. Mais l'exécution du budget incombe au maire. Vous voulez être avec lui pour signer des chèques. Vous voulez être avec lui pour recevoir les tierces qui ont besoin de la commune. Mais ça, c'est un abus d'autorité, une confusion dans la tête. Par rapport au marché, avant que notre conseil communal ne soit installé, les recettes annuelles de l'ensemble des marchés faisaient 480 millions, soit 40 millions par mois. Quand le maire a saisi le conseil communal pour dire qu'à ses yeux, à sa compréhension, ces recettes de poubelle qu'on a créées, qui géraient les marchés en ce moment à travers un contrat de concession qu'il a eu avec la délégation spéciale, le maire a dit que c'est faible, moi je vais rompre le contrat. Le conseil communal lui a donné le quitus, il a rompu. En attendant de trouver un autre preneur, on a dit, organise-toi à gérer le marché et d'abord connaît une compréhension de la chose. Le maire a mis une organisation à travers l'administration du marché. Ce qui était annuellement 480 millions, en 2019, c'est allé à 1 milliard 100 millions, 140 millions. Deuxième année, c'est allé à 1 milliard 21 millions. Donc nous avons trouvé que vraiment, cette réforme de gestion du marché est allée améliorer les ressources de la mairie. Vous êtes passé de 480 millions dans l'ordre de milliards. Maintenant, il y a quelque chose qui les fait mal. Comme on a l'autorité et le conseil communal a donné le quitus au maire de gérer le marché à son niveau dans le but de comprendre les mécanismes qui sont liés au fonctionnement du marché, on a vu que son résultat est meilleur que celui qui le gérait précédemment. Mais nous, on trouve, c'est ce qu'on recherche. Maintenant,
Il y a des conseillers qui pensent qu'ils doivent venir travailler à la mairie. Non, le maire a un cabinet. Si les marchés, les percepteurs et l'administration du marché collectent les ressources pour la réception, le maire, à travers son cabinet, reçoit les fonds et oriente vers le receveur communal qui est habilité à recevoir les fonds, moi je ne trouve pas d'objection à cela. Est-ce que vous voyez? Donc, et ils disent que oui, donc si cela est vrai que le maire a amélioré les recettes de la commune, que pourquoi il n'y a pas de réalisation dans l'ensemble? Quelles sont les mairies qui peuvent faire un investissement dans la mesure que les recettes sont faibles? Parce que quand vous prenez aujourd'hui la commune avec le niveau de contractuels qui sont les éléments essentiels du fonctionnement de l'administration, ils ne sont pas fonctionnaires. Il faut les payer sur le budget communal. Il y a ce salaire qui se chiffre à l'ordre de 120 1 milliard 200 millions par an pour la commune de Matoutou. Avec les recettes du marché, ça peut couvrir? Non. Vous avez l'assainissement qui est une activité quotidienne. Et puis l'assainissement, ce n'est pas du fonctionnement. C'est de l'investissement, mais il y a des investissements invisibles. Prendre les tractopelles, prendre les camions, venir tirer les caniveaux, débarrasser les tas d'inondices qui étaient à Anta, qui étaient à Kisoso, qui étaient à Jimbabouzi, qui étaient partout à Matoto. C'est de l'argent qui a été débloqué pour ça. Mais vous voulez être au four et au moulin. La loi a dit qu'en qualité du conseil, vous décidez à travers vos sessions. Et quand la commune a besoin de vous dans les commissions instituées, vous travaillez et ce travail est rémunéré par une prime, par une indemnité. Donc, je ne vois pas en quoi les gens vont aller s'asseoir pour dire on a pris un marché phare, marché Anta, en 3 jours, 6 500 000. Les 6 500 000 en 3 jours sont venus comment? C'est des calculs fantaisistes pour dénigrer. Est-ce que vous avez tenu un conseil en fin d'année? Tout à fait. Est-ce que à cette occasion, il y a eu des conseillers qui auraient soulevé quelques observations à l'endroit du maire? Quand j'ai entendu Bausman dire que nous ne sommes informés de rien dans la gestion de la mairie, en 2020, après les différentes sessions que nous avons tenues, la dernière session, c'était le vote du compte administratif. Bah, Ousmane, c'est ce que le maire te faisait lire tout de suite, les extraits du procès verbal. Il est arrivé à vous faire lire les déclarations de Bah, Ousmane. Nous avons voté le compte administratif. Et ça nous a été mis à notre disposition. Ça veut dire qu'à travers ce document, nous sommes informés des réalisations, tant sur les recettes que les dépenses pour l'année 2020 sur la commune de Matoto. Les prévisions de 2021, budget primitif, ont été votées. Chacun de nous est informé de la gestion de la commune. Peut-être nous n'avons pas la même faculté de compréhension ou nous n'avons pas la même foi. Un effort est fait. Et les gens pensent qu'aujourd'hui, je suis un défenseur du maire actuel qui est là. Lui, il s'en fout. Le travail qui est fait, il est fait pour le compte du conseil communal, pour lequel j'appartiens. Quand il a un résultat, c'est mon résultat. Donc, tant soit peu qu'il est, si un effort est fourni, quelqu'un passe à la télévision ou à la radio pour dire que rien n'est fait, c'est un devoir pour moi de venir dire que le conseil communal auquel j'appartiens a un résultat. Quand je vois, quand on rentrait ici, il y avait un manque de bureaux. Il y a 4 bureaux qui ont été réalisés. Il y a la salle de délibération de la mairie qui est aujourd'hui un flamboyant neuf. Quand je vois les travaux d'assainissement que sa commission lui-même, que la commission de Ba Ousmane même a mené à Matoto, il veut mettre tout ça à l'eau à cause de nerfs. À cause des considérations personnelles, ce n'est pas normal. C'est pas normal. Et est-ce que pour celui qui, par exemple, comme M. Ousmane Ba et tant d'autres comme lui, qui veulent avoir beaucoup plus d'informations, est-ce que les documents preuves matérielles existent pour éclairer les curieux? Mais tout à fait. Quand tu as le budget, y compris le quand tu as le compte administratif,
Et si tu as oublié ce qui a été décidé, tu peux même demander, c'est la loi qui le prévoit, que le citoyen lambda le Matoto a le droit de venir demander à l'exécutif communal qu'est-ce que nous avons eu dans les débarcadères, qu'est-ce que nous avons eu dans les marchés, qu'est-ce que nous avons eu comme impôts, qu'est-ce qu'on a eu comme CFU, où ça a été utilisé. À plus forte raison, un conseil communal. Et l'administration étant des papiers, la continuité, les documents sont là qui peuvent asseoir la conviction de quelqu'un. Maintenant, si toi aussi tu as des éléments palpables avec lesquels tu peux prouver qu'il y a eu détournement, mais il faut venir. Si le maire se rend coupable de détournement, il doit répondre à sa forfaiture. Et c'est pourquoi il est le seul responsable de l'exécution du budget. Donc, il ne doit pas associer quelqu'un dans ça. Peut-être il peut déléguer par confiance, par compétence, à quelqu'un de le représenter dans ses attributs. Mais ce n'est pas une obligation de la loi. Merci beaucoup, messieurs Mori Keta, de votre disponibilité. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie.